الأصدقاء، السلام عليكم، bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend, comme toujours, vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Mais surtout, surtout en vous y abonnant en grande masse, c'est-à-dire le plus nombreux possible, afin d'y être informé avec les dernières nouvelles, et ceci en toute primeur. Un immense merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 147e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Le CQFD de votre bled Magharibia se penche entre autres sur cette Kabylie qui est montrée du doigt, et c'est l'occasion ici de concocter quelques sournoiseries assassines pour en définir, et pour ne pas dire en finir, avec ces territoires dits perturbateurs, n'est-ce pas? Mais assez maintenant, oui, assez, car le pays brûle et titube même après l'épisode tragique de ce jeune martyr assassiné, rappelant que le point de non-retour, pour ne pas dire le point de saturation, est atteint, pour ne pas dire tout simplement une saturation tout à fait débordante. C'est à l'image de cette BBC qui a publié récemment une tribune très sévère et très dure à l'encontre du pouvoir algérien, alors que du côté de l'Union africaine, cette UA est pour la seconde fois le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de cette UA fait l'impasse purement et simplement sur le Sahara marocain lors de sa réunion avec celui qui se prétend vraiment un diplomate ou ministre des Affaires étrangères de cette même Algérie. Et en forme de pied de nez, oui, en forme de pied de nez, disons-le ainsi, le Maroc répond à la réunion d'Alger en accueillant sur son territoire le président du Parlement libyen. Eh bien, pour en revenir au sommaire de notre séquence, eh bien oui, chers amis, la Kabylie est montrée du doigt cette fois-ci. Donc c'est l'occasion de nous concocter quelques sournoiseries ici, assassines, pour vraiment en finir avec ces territoires dits perturbateurs dans cette Algérie. N'est-ce pas? Et pendant ce temps, oui, et pendant ce temps, que fait cette pseudo-présidence de la République algérienne? Cette pseudo-présidence algérienne organise, eh bien oui, des pitreries, des rencontres guignolesques avec de pseudo-journalistes qui gazouillent devant le regard des Algériens désabusés, offrant au monde le spectacle affligeant d'une république minaudière où l'on joue à faire des charlots, oui, où l'on joue à faire des charlots, à défaut d'édifier une nation moderne. Ce pouvoir algérien n'était finalement préparé à rien. Pas de respirateur pour les personnes contaminées et qu'on a vu mourir en masse. Pas de dispositif contre les incendies de forêt. Aucune organisation pour la distribution de l'eau. Et la liste est longue, très longue. Pas de pain, pas de farine, etc., etc. Mais cela, rien que cela, oui, mais cela, rien que cela,
Le pouvoir issu d'une certaine comédie électorale du 12 décembre 2019 et auquel on avait cru subtil d'ajouter en juin 2021 une cohorte d'heureux bouffons chargés, eux, d'occuper le Parlement. Oui, des bouffons qui occupent le Parlement, se disant des élus, mais des élus par personne, et parmi lesquels on compte ce que la politique des copains et des coquins créait de pire pour un pays. Et c'est avec cette escadrille de simplets ahuris, pour ne pas dire abrutis, ou tout simplement des crétins de fripons, attendant leur heure, que cet athée entend édifier, entre guillemets, une nouvelle Algérie et solutionner les incommensurables problèmes qui se dressent devant le pays. Pareille inconscience n'aurait pas soulevé tant d'inquiétudes si elle n'aggravait l'irresponsabilité, oui, l'irresponsabilité de ce pouvoir et surtout de sa démission. Le jeune malheureux Djemel Ben Smaïl, Allah yirhamo, n'aurait jamais été arraché des mains de la police si cette dernière avait conservé la responsabilité rattachée aux institutions de l'État. Mais l'État est absent, complètement absent, comme il ne l'a jamais été, absent au point d'être affolé devant la pandémie, puis devant les feux de forêt. Affolé et impuissant, oui, affolé et impuissant, sans la mobilisation des enfants de ce pays, de ces travailleurs de la santé, ceux-là même que ce Mohamed Zerhouni faisait tabasser joyeusement dans les rues d'Alger, du mouvement associatif national et international. Sans le concours bénévole et soutenu, le bilan des pertes humaines aurait approché l'impensable. Les Algériens ont pallié à la faiblesse de leur État. Oui, les Algériens ont pallié à la faiblesse de leur État. Un pouvoir élu démocratiquement, un pouvoir reflétant la volonté du peuple, se serait appuyé sur cette richesse humaine pour sortir l'Algérie de l'ornière. Eh bien non, mais non, pas du tout. Depuis 3 ans, oui, depuis 3 ans, le régime algérien avait multiplié les attaques à l'encontre de ces hommes et ces femmes qu'on avait vus secourir, réconforter, organiser la solidarité. Le gouvernement avait envoyé sa police et réservé des places en prison. Oui, réservé à ces gens des places en prison. Et c'est comme ça et comme cela qu'on résout cette problématique. Le plus grand tort de cet athée et de son entourage est de vouloir faire comme si, oui, faire comme si de rien n'était. Et leur plus grand crime est de faire payer des innocents. Oui, faire payer des innocents. Leur obstination à s'accrocher coûte que coûte au pouvoir. Mais l'Algérie ne peut plus supporter une telle gouvernance. Assez, oui. Assez, puisque ce pays n'en peut plus. Oui, ce pays n'en peut plus. Chaque jour que cette coterie passera à la tête du pays nous rapprochera de l'apocalypse. Oui, chaque jour qui passera dans ce pays nous rapprochera tout simplement de l'apocalypse. Et tout cela, oui, tout cela est relaté sans autre gêne par d'illustres actualités, en passant par la célèbre télévision britannique, la BBC, pour ne pas la nommer, l'une des chaînes de télévision les plus influentes et regardées du monde, avec quelque 76 millions de téléspectateurs par semaine et plus de 300 millions de foyers à travers plus de 200 pays. Ce média britannique a publié jeudi 2 septembre dernier sur son site internet une tribune très dure
et très sévère, qui condamne le régime algérien et le critique vivement pour ses dérives complotistes à la suite des incendies de forêt qui ont ravagé plusieurs wilayas du nord du pays, notamment, vous savez où, en Kabylie. Cette tribune a été signée par Magdi Abdelhadi, le journaliste indépendant d'origine égyptienne et ancien analyste des affaires arabes pour la BBC, qui collabore également régulièrement avec The Guardian. Et pour le moins que l'on puisse dire, cet analyste n'a pas été du tout tendre avec les hauts responsables du régime algérien. Selon Magdi Abdelhadi, l'Algérie de 2021 ressemble de plus en plus, vous savez à quel pays? Eh bien, à son homonyme pays de l'Algérie, la Corée du Nord. Oui, vous avez bien entendu, l'Algérie ressemble à la Corée du Nord, qualifiant le régime de pouvoir tenu par une clique de dirigeants qui se remplissent les poches grâce à la rente pétrolière. Et le même analyste a mis en relief l'illégitimité flagrante de ce pouvoir qu'il accuse de multiplier les impostures pour manipuler l'opinion publique. L'auteur de cette tribune incendiaire, publiée par la BBC, est revenu également sur la gestion des autorités algériennes, des dramatiques feux de forêt en Kabylie encore une fois, et plusieurs autres wilayas du pays. Et Magdi Abdelhadi n'a pas caché son grand étonnement face aux théories complotistes du régime algérien, qui avait rapidement adopté son traditionnel discours sur la main étrangère. Oui, la main étrangère. Et suivez mon regard pour gérer cette catastrophe naturelle. L'auteur s'est penché aussi sur le crime barbare et abject de ce malheureux Jamal Ben Smaïl, Allah yirahmou, le 11 août dernier à l'Arba'a Nathirathen. Il n'a pas manqué de relever le rôle troublant de la police qui a laissé faire, sous son œil dit vigilant, un crime d'une rare barbarie. Et Magdi Abdelhadi a analysé longuement encore les contradictions et les fantasmes absurdes véhiculés par le régime algérien autour des dramatiques feux de forêt en Kabylie et du meurtre horrible de ce malheureux Jamal Ben Smaïl, de l'instrumentalisation excessive du MAC, de ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, jusqu'à la diabolisation du Maroc, considéré par cet auteur, donc Magdi Abdelhadi, de cette analyse au vitriol comme le bouc émissaire du pouvoir algérien. Et rien n'a échappé à la vigilance critique de ce Magdi Abdelhadi. Ce dernier n'a pas hésité non plus à rappeler que le fait de désigner le Maroc comme bouc émissaire et les groupes d'opposition nationaux est une vieille tactique complètement dépassée, obsolète, pour détourner l'attention de l'échec spectaculaire du régime, de ce régime au pouvoir, à faire face aux problèmes intérieurs tels que les incendies de forêt, entre autres, la pandémie du Covid-19 et le chômage, etc. Plein de problèmes, mais sans résolution aucune. Pour Magdi Abdelhadi, cette technique est directement sortie du manuel des États totalitaires, qui blâment toujours les autres, les médias, les opposants ou les étrangers pour masquer les échecs ou leurs échecs successifs. Mais au-delà, oui, mais au-delà de tout ce que décrivent tous ces médias à propos de cette Algérie,
y compris l'Union africaine, pour la seconde fois, Bankole Adeoye fait l'impasse sur le Sahara marocain lors de sa réunion avec ce Ramdan Lamamra, dit ministre des Affaires étrangères algérien. Et c'est avec un retard de 4 jours que le ministre algérien des Affaires étrangères a communiqué sur sa rencontre du dimanche 29 août dernier avec le commissaire aux affaires politiques à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, ce Nigérian Bankole Adeoye. Ces discussions entre les deux diplomates ont eu lieu à la veille de la réunion des pays voisins, des pays dits voisins de la Libye, tenue à Alger les 30 et 31 août dernier. Il a été convenu de la poursuite des concertations sur les développements de la situation politico-sécuritaire au niveau continental, ainsi que sur les principales questions inscrites à l'agenda de notre organisation continentale, a écrit ce Ramtane Lamamra sur son Twitter, sur son compte Twitter. Il rajoute, déclare encore une chose en plus, je lui ai réaffirmé le soutien et la détermination de l'Algérie à poursuivre ses efforts visant à préserver l'unité et l'efficacité de notre organisation continentale au service de nos objectifs communs, a-t-il encore rajouté. Mais Bankole Adeoye n'a pas à mentionner sa rencontre avec le chef de la diplomatie algérienne sur son compte Twitter, comme il l'a déjà fait à l'occasion de leur entretien du 29 juillet dernier à Addis-Abeba. Pour tomber sur une déclaration du Nigérian sur sa réunion avec le chef de la diplomatie algérienne, il faut chercher dans les archives, remonter très loin. Et c'est l'APS, oui, cette Algérie Presse Service qui est justement au service de ce pouvoir qui n'en rate pas une pour en rajouter. Le commissaire a exprimé sa profonde gratitude au ministre pour son initiative panafricaine pour le rétablissement de la paix en Libye et à laquelle l'Union africaine est appelée à y contribuer, a indiqué le 30 août dernier brièvement le média officiel, c'est-à-dire cet APS. Donc, elle remonte dans les archives pour déclarer de récentes rencontres et des déclarations qui n'ont pas eu lieu lors justement de cette rencontre. Mais néanmoins, après le tweet de ce Ramtane Lamamra, l'APS est revenue ce jeudi 2 septembre dernier avec plus d'attention sur le même sujet. Si la question du Sahara occidental marocain n'a pas été citée dans les comptes rendus officiels des entretiens entre ce Ramtane Lamamra et Bankole Adeoye, l'Algérie peut désormais la soulever à l'occasion de la réunion prévue vers la fin de ce mois par le Conseil de paix et la sécurité de l'Union africaine. Une réunion consacrée à examiner l'impact prévu du retrait des forces étrangères et des mercenaires de Libye sur le Sahel et le reste de l'Afrique. Cependant, et entre-temps, le Maroc y répond tout de même, mais répond à la réunion d'Alger, oui, en accueillant le président du Parlement libyen. En effet, ce président du Parlement libyen, Aguila Saleh, est attendu dans les prochaines heures à Rabat. Et c'est la troisième visite qu'il effectue au Maroc durant les derniers mois, avec celle du 3 juin et du 25 juin dernier. Et au Maroc, Aguila Saleh aura des entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El-Malki, et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Une fois de plus, le timing de la nouvelle visite de Aguila Saleh ne passe pas inaperçu puisqu'elle intervient moins de 3 jours seulement
après la réunion d'Alger du 30 et 31 août dernier, des pays dits voisins de la Libye, et à laquelle le Maroc n'a pas été convié par le pays hôte, c'est-à-dire cette Algérie. Un événement marqué tout de même par les messages indirects adressés, vous savez à qui? Eh bien, au royaume marocain, par ce ministre algérien des Affaires étrangères, Sormtane Lamamra. Pour rappel, le président du Parlement libyen, Aguila Saleh, s'était rendu déjà le 25 juin dernier au Maroc, juste au lendemain de la conférence de Berlin, ce qui était l'acte 2, organisé le 23 juin passé par l'Allemagne, et boudé, oui, boudé par le royaume marocain. Sa proximité, la proximité de ce Aguila Saleh avec le Maroc, mais vraiment guère appréciée à Alger. Des médias algériens proches du pouvoir reprochent d'ailleurs à Aguila Saleh de bloquer les actions du gouvernement libyen dirigé par Abdelhamid Dbeibeh, soulignant que le Parlement a rejeté à 7 reprises la loi de finances présentée par l'exécutif. Contrairement aux autres hauts responsables libyens, y compris le maréchal, ce maréchal Haftar, Aguila Saleh jouit d'une influence considérable grâce au fort ancrage de sa tribu, la tribu des Oubaïda, notamment dans l'est du pays, et à ses relations avec les principaux acteurs internationaux dans son pays, tels l'Égypte, les Émirats, la Russie et les États-Unis. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est sur ces dernières nouvelles que prend fin la séquence d'aujourd'hui en prenant congé de vous. Néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude, au travers de votre ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait notre petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et pour votre patience. Mais surtout, surtout, un merci particulier, surtout pour votre participation, de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas en nous aidant, en aidant votre chaîne et de nous aider mutuellement, réciproquement, en vous y abonnant très, très nombreux, afin d'être informé avec les dernières nouvelles et le plus rapidement possible, et ceci en toute primeur. Mais surtout, surtout, n'oubliez pas de partager au grand maximum autour de vous, auprès de vos proches, de vos connaissances, vos séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, les amis. Al-Azdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Ila al-liqa fi hissa ukhra, insha'Allah, ma'a salama.